sur cette maison, que la partie supérieure est en bois et que la partie inférieure est en brique. Donc pourquoi ? Je dirais que finalement c'est une maison traditionnelle cambodgienne qui a ensuite été finie en brique. Et pourquoi de cette manière ? Alors comme les anciennes maisons traditionnelles sont en bois, on estime que la plupart des habitants habitaient en hauteur, en pilotis. Alors une maison en pilotis qui peut être soit en bois ou soit justement en béton armé. Tout simplement pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau, puisque à l'époque l'eau des crues pouvait atteindre ce niveau-là. Vous imaginez bien donc ce niveau-là, l'eau ne permettait pas aux habitants de se déplacer correctement comme aujourd'hui. Alors je parle bien de la saison des pluies et non pas de toutes les saisons au Cambodge, puisque les Cambodgiens pouvaient se déplacer autrefois aussi à pied dans ce quartier. Mais simplement que l'eau pouvait atteindre ce niveau et il était impératif donc d'avoir une barque. Donc on embarquait vraiment en pirogue. Alors j'espère vous faire un petit plan de la maison en bois juste en reculant. Joli, on peut vraiment voir la façon et le style cambodgien.